reviendrai jamais. Jamais. Non, mais c'est là aussi où je trouve que c'est intéressant de la part d'un artiste, c'est d'amener l'auditeur là où il est et pas l'inverse, tu vois. Si je commence à me déplacer pour faire quelque chose d'accessible aux gens, bah finalement j'aurais perdu quelque chose. Si je commence à me déplacer pour faire quelque chose d'accessible aux gens, finalement j'aurais perdu quelque chose. Ce sont ses mots, hein. C'est exactement ce qu'il vient de dire. À chaque fois, en plus, je l'ai déjà dit, mais à chaque fois je me dis non. Tu connais ou genre. T'abonnes à la chaîne, genre c'est pas possible. Parce que, genre, des fois, vraiment. Et c'est pour ça que le mieux, et c'est ce que je vous recommande de faire, et c'est pour ça que ce sont souvent ceux qui le font le plus régulièrement, qui ont les meilleurs résultats, etc. Vraiment, le mieux. C'est d'aller voir vraiment que font les gens en fait. Une fois que tu connais leur personnalité, de vraiment les étudier pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça, etc. Parce qu'en fait, je fais l'étonner en fait à chaque fois, mais c'est vrai que c'est logique. Si ce qu'on dit ici décrit ce qu'ils font, c'est parce qu'en fait, c'est basé sur ce qu'ils font en fait. On décrit ce qu'ils font déjà de base, tu vois. On les voit, on dit, ah ok, tout. Il y a en tout cas un groupe de gens qui donnent la priorité à leur propre décision. Donc c'est normal qu'après on voit qu'ils donnent la priorité à leur propre décision. Mais vraiment pour comprendre tout ça en fait, c'est vraiment le temps passé à vraiment les écouter, à écouter ce qu'ils disent, à écouter ce qu'ils ressentent, à écouter vraiment essayer de te mettre dans leurs chaussures, dans leur, enfin, de te mettre à leur place, tu vois. Je traduis des expressions en anglais, de te mettre dans leurs chaussures. De te mettre à leur place vraiment. Mais quand tu fais vraiment ça, tu finis vraiment genre, par comprendre ce qu'ils veulent dire, et du coup, à les typer genre de manière beaucoup plus claire, de manière beaucoup plus simple. Quand tu vas voir assez de vidéos, dans des contextes assez différents, etc., tu les écoutes assez longtemps, en fait, ils vont tous finir à chaque fois par faire ça. Eux-mêmes, ils te donnent en fait les informations, ils te donnent tout ça, ils te disent que ce sont des décideurs introvertis, ils te disent des phrases comme ça qui sont les définitions mêmes de ce que nous, on voit ici, en fait. Parce que là, le but, c'est que ouais, c'est moins accessible que cette youtubeur, j'en suis tout à fait conscient. Mm-hmm. Mais maintenant, j'ai des retours, tous les jours, j'ai des mails, franchement, sans exagération, j'ai vraiment des mails très fréquents de gars qui me disent qu'ils se sont pris, tu vois, vraiment, ça les a piqués au fond du cœur, tu vois, et que ça l'aurait pas fait avec un autre projet, tu vois. C'est le fait qu'ils soient si durs d'accès que finalement, si tu finis enfin par rentrer dans mon monde, là, tu captes tout et puis tu te le prends plein fouet, tu vois. Petite anecdote personnelle. Je me souviens quand j'étais enfin toujours en fait, même aujourd'hui en fait, je pense que je continuerai à le faire, mais c'est juste que c'est différent. Ou je fais moins attention, ou je le cherche moins, mais je me souviens quand j'étais surtout collège et lycée, à chaque fois, alors quand quelqu'un me disait que j'étais intelligent, automatiquement je me disais, ok, alors toi, t'es vraiment intelligente. C'était son défi. Toi, vraiment intelligente, parce que je me disais, si tu vois que je suis intelligent alors que je passe mon temps à faire des blagues, à partir dans mes délires, etc., tu vois, et je me dis, les gens qui arrivent à passer au-delà de ça pour voir que je suis intelligent et pour voir qu'en fait je suis un penseur introverti, tu vois, ce sont vraiment des gens qui ont comment dire, ah, tu penses comme moi en fait, et il y a cette connexion genre très introvertie de, oh, attends, genre ce truc que dans le cas de l'homme pâle que j'aime, tu vois, je vais pas le rendre accessible, je vais pas essayer de plaire aux gens, etc. Je vais exprès faire un truc qui sera compliqué, genre à atteindre, qui sera compliqué à voir, qui sera compliqué à comprendre. Mais quand, si tu réussis à rentrer dans mon monde, tu vas être directement touché au cœur et tu vas te le prendre en pleine face ou un truc comme ça, tu vois. Et je me souviens que quand j'étais au collège, du coup, bah, c'était exactement pareil en fait. En tout cas, je me disais exactement pareil, je me disais, ah, ceux qui arrivent justement à voir que je suis intelligent, au-delà de l'image que je donne, etc., tu vois, je me rendais en fait difficile d'accès, difficile à comprendre. C'était dans nos têtes de décideurs introvertis, hein, des masculins. Mais je me disais, ceux qui arrivent à percevoir ça alors que c'est volontairement difficile d'accès, c'est que vraiment, on est vraiment connecté, tu vois. Et quand tu es un IP et que tu fais ton truc et que tu ne veux pas changer pour plaire aux gens parce que tu es un IP, il n'y a aucune autre raison que ça. Hein. À chaque fois, les gens essaient d'argumenter en disant non, c'est pour que justement les gens comme ça, quand ils le verront, ce sera... Non, il n'y a aucune autre raison que ton cerveau te dit que c'est ça qu'il peut faire. Tu as l'impression, une impression subjective qui n'est basée sur rien, qui te dit que tes fonctions sont mieux que les fonctions des autres. Tu vois. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Faire de la musique qui plaît aux gens, c'est aussi très très bien en fait. Ce n'est pas moins bien. Parce que tu as fait ça pour les gens. Quand donc un IP va faire sa musique et ne va pas vouloir changer, etc., bien sûr qu'il va impacter les gens, bien sûr qu'il veut que les autres écoutent, etc., mais ce sera toujours, non, il faut que je fasse mon truc, il faut que je fasse mon truc, il faut que je fasse mon truc. Les gens qui vont voir, waouh, on sera vraiment connectés, on aimera vraiment la même chose parce que j'aurais été sincère avec toi. Et justement, on va pas avoir les défauts que ont les FE.
Parce que les FE, justement, ils vont essayer trop de vouloir plaire aux gens. Donc, du coup, bah, tu vas plaire à tout le monde, mais c'est pas sincère, c'est pas profond, c'est pas aussi puissant, tu vois. Alors que les FI, puisqu'ils ne veulent pas bouger pour les gens qui vont bien les aimer, ce sont vraiment des gens qui les aiment pour ce qu'ils sont, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement ça, en fait, qu'il dit avec sa musique. Je vais pas bouger pour les gens, je vais faire mon truc, et comme ça, ceux qui viennent, et parce que bien sûr qu'il veut que des gens viennent, tout le monde veut être adulé par tout le monde, etc., c'est normal, mais. Du coup, ils veulent pas non plus la responsabilité, tu vois. Genre, je veux avoir le truc trop bien, mais en faisant que mes fonctions dominantes. Et maintenant que j'ai fait mes fonctions dominantes et que je suis connu, bah oui, mais je suis connu, mais j'ai quand même pas envie d'être responsable pour vous, tu vois. Je veux continuer à faire mon truc et continuer à être de plus en plus nombreux à me suivre. Et je veux avoir de plus en plus de fans, de plus en plus d'influence, de plus en plus d'argent, etc. Mais sans avoir le côté DE qui va inévitablement venir avec, en fait. Alors que si jamais j'avais fait un truc plus accessible, bah finalement tu l'écoutes et puis tu t'en lasses. Alors que je pense que celui-là, pour certaines personnes, pas pour tous, il y en a qui vont le rejeter, et pour ceux qui vont se le prendre, il va être dans la durée, tu vois, c'est un truc qu'ils pourront écouter plus tard, et ça leur rappellera même les souvenirs des moments où ils l'ont écouté la première fois, ça va s'associer avec des trucs de leur vie. Et tu vois, il sait exactement ce qu'il veut être pour les gens, tu vois. C'est pas, je vais faire des choses pour les gens et je verrai bien la place que les gens me donnent, tu vois. Non, il veut être la personne que les gens vont écouter et qui les aura touchés au cœur et qu'ils vont écouter, enfin qu'ils vont réécouter dans super longtemps et ça va leur rappeler cet album qu'ils adoraient durant leur enfance, etc. Tu vois. Et c'est marrant parce que c'est souvent ce que font les hippies, justement. Et j'ai remarqué que très souvent les hippies ont ce genre de gens qu'ils adorent, etc. Ce genre d'album qui les touche droit au cœur et ils vont vraiment rentrer dans le monde de l'artiste et se le prendre en pleine face parce que waouh, le FI de cet artiste-là et mon FI sont tellement connectés, tu vois. Et c'est un truc sincère, c'est un truc vrai, tu vois. Comme moi, quand je suis d'accord avec quelqu'un, ouais, mais gros, je suis exactement d'accord avec toi. Et genre, ouais, TI, on pense pareil, truc de ouf. Et en fait, souvent, ils veulent reproduire ça, ils veulent devenir la personne que quelqu'un d'autre a été pour eux, tu vois. Et lui, c'est exactement ce qu'il veut être pour les gens. C'est pas, encore une fois, évidemment qu'il va avoir un impact sur les autres, etc. Mais est-ce que ça vient avant ou après que lui-même ait décidé pour lui-même, tu vois? Ça vient après et il sait exactement ce qu'il veut être. Et non, je vais faire mon truc comme ça. Les gens ressentiront ce que moi j'ai ressenti en fait avec les artistes que j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Au final, c'est toujours une question de FI et de DI et de IP et de moi par rapport aux autres. Et voilà la place que je vais avoir pour les autres. J'ai décidé moi-même de la place que je vais avoir pour les autres. Je ne vais pas être quelqu'un qui est responsable pour vous. Je vais être quelqu'un que vous allez genre juste kiffer parce que il est tellement sincère et vous allez juste m'adorer pour mes fonctions dominantes, tu vois. Je vais faire mon truc et vous allez trouver ça trop bien que je fasse mon truc parce que ce sera super sincère et vous allez rentrer dans mon monde, tu vois. Je vais juste faire mon FI, toujours, 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 et que ça marche, tout simplement. Et ça peut Voilà. ressembler à de l'acharnement personnel. Un dernier point, c'est mon état d'esprit quand je fais une vidéo. Un état d'esprit de FDP. Alors je vous explique, quand je fais une vidéo, quand j'écris, je fais comme si j'avais aucun abonné. Zéro, voilà, ça m'aide à me concentrer sur ma vidéo, à écrire ce que je veux vraiment dire, et pas me faire influencer en fait par les gens. Je fais quelque chose qui me ressemble.